Bonjour, Christian. Bonjour, Nathalie. Il semblerait que cette entente avec les médecins spécialistes est une entente bénéfique pour la population. Qu'est-ce qu'en pense le professeur en éthique appliquée à l'Université du Québec à Montréal? Bien, je pense qu'on se fait rouler dans la farine. Ça fait quand même un certain nombre d'années. Ça fait 30 ans que on se fait, j'ose dire, non pas entuber, mais pour, comme c'est des médecins intubés, ouais. Collectivement, ce sont les gagnants à vie de l'Auto-Québec. Et c'est notre... Ce que je dis à mes étudiants parfois, c'est que c'est notre programme Apollo. Nous, on n'envoie pas des hommes sur la Lune, on envoie des médecins en orbite salariale autour des petits travailleurs, des infirmières. Eux, oui. Ils sont véritablement nos cosmonautes. C'est notre folie québécoise à nous, dont on ne semble pas vouloir se défaire. Oui, parce que ce matin, il y avait une conférence de presse. Je pense que vous avez eu l'occasion de regarder, oui. de regarder ça. On a l'impression que du côté gouvernemental, on enrobe l'affaire, hein, parce que ça passe, la pilule, comme on dit, passe de travers dans la gorge bien des Québécois. Alors, on essaie de nous faire avaler la couleuvre, puis je ne suis pas certaine que l'opération va réussir. Là, ce qu'on apprend, c'est que les médecins vont quand même aller chercher beaucoup d'argent. Moi, le calcul que je fais, là, c'est 2 milliards de plus sur 10 ans. Oui, mais pour les médecins au Québec, c'est dans l'ordre des choses. Ça fait 30 ans que dès qu'on entend parler de médecins, on entend parler tout de suite après d'argent, monnaie, monnaie, monnaie. C'est-à-dire, ça a toujours été ça. Pour nous, ce sont nos chamans et toute la richesse va dans leur poche, là, essentiellement. C'est les gagnants à vie de l'Auto-Québec, là. C'est-à-dire, donc, c'est un peu normal. Nous, on est en amour avec ça. C'est un des jeux pourris de la Révolution tranquille. On dit, nous, c'est l'accessibilité, la gratuité. C'est comme des dogmes de l'Église catholique. On est resté très, très religieux. On pense que la qualité des soins va s'améliorer. On pense qu'on ne mourra pas. On a toutes sortes d'attentes fantasmatiques autour de ça. Mais à chaque fois, ça coûte extrêmement cher. Et c'est fait avec une arrogance extraordinaire. Parce que dans le débat entre Mme Francoeur et le dénommé Barrette, là, heureusement qu'ils ne s'aimaient pas. Parce que si c'était aimé, ils seraient partis avec les verres à dentiers. Ils seraient partis avec la coutellerie. Mais oui, ça nous aurait coûté plus cher. Ça avait coûté extrêmement cher. Heureusement qu'ils ne s'aimaient pas, semble-t-il. Enfin, c'est les petites scénettes stagées qu'on nous montrait à Radio-Canada là, avec Anne-Marie Dussault quand le ministre Barrette là, se chamaillait avec son ancienne collègue, Mme Francoeur. C'était comme la lutte, là. C'était comme arrangé comme la lutte là, ouais. professionnelle. Mais Christian, on s'entend pour dire que les médecins spécialistes dans un système de santé là, occupent un rôle important, jouent un rôle important. Mais est-ce qu'on a... moi, j'ai l'impression qu'on est en train d'en faire une caste les intouchables, en fait. Ils ont toujours été comme ça. C'est-à-dire, ce sont des dieux vivants. En fait, ce sont les enfants chéris de la Révolution tranquille. La Révolution tranquille, c'était pour eux. C'est-à-dire, c'est pour les enfants qui ont une cote Z ou une cote R. Là, c'est rendu, je sais pas comment on appelle ça. Et donc, les autres, on les confie au secteur public. Ils savent, les autres enfants vont dans les polyvalents. Puis, les enfants chéris, les élus, ben, ce sont nos médecins. Oui, bien, leur place est importante dans notre système de santé, mais est-ce qu'on leur donne trop d'importance? Vous nous dites oui aujourd'hui, Christian. En fait, je me disais, la CSN et la FTQ, qui sont deux grandes centrales syndicales, n'ont qu'à aller se rhabiller parce que la Fédération des médecins spécialistes du Québec est devenue un lobby extrêmement puissant, encore plus que le gouvernement. Ben oui, c'est un gouvernement dans le gouvernement. D'ailleurs, ils ont des capacités de propagande extraordinaires. Ils ont le monopole de la santé au Québec. Ils peuvent avoir des émissions comme à Télé-Québec 24/7. On est dans un système quasi-soviétique là pour ça. C'est-à-dire, on peut désinformer la population. Les Québécois se disent, mon Dieu, le prix de l'essence a augmenté de 5 sous du litre. Alors là, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? Mais en fait, les jaquettes sont à 66 piastres. Les primes à l'assiduité, à 5 $. Oui. Peut-être aurait-il mieux valu aussi d'ajouter 20 $ pour qu'ils se lavent les mains entre les patients. Ça aurait été peut-être plus utile encore que la jaquette puis l'assiduité. Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a de plus révoltant pour vous, Christian? Là, vous enseignez l'éthique appliquée à l'Université Laval. Là, donc, toutes les questions touchant... À l'Université du Québec à Montréal. Université du Québec à Montréal. Toutes les questions touchant la moralité, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal. Qu'est-ce qui est le plus d'indignant ou de révoltant dans ce qui se passe actuellement? Bien, d'abord, c'est l'arrogance avec laquelle ils traitent les travailleurs à 42 000 ou à 52 000 par année. C'est-à-dire qu'on se compare toujours à l'Ontario. On oublie de dire que la richesse per capita en Ontario est beaucoup plus grande.
Et puis en plus, on se dit finalement, les petits travailleurs, ceux, la moyenne des Québécois, dont le salaire est pas du tout comparable à ceux des médecins ou s'en approche nullement, sont dans un rapport, de, comme au Moyen-Âge. Il y a les seigneurs d'un côté, puis il y a les médecins de l'autre, puis comme dans le fond... ils sont utiles, bien entendu. Personne ne nie leur utilité. Puis là, mais on est complètement dans un rapport de soumission puis de naïveté par rapport à leur manœuvre. C'est ça qui est le plus choquant finalement. C'est ça le drame du peuple québécois, c'est que dans le fond, n'importe quel parti qui dirait il faudrait mettre la hache là-dedans. Disons que on est en démocratie véritable, qu'on n'est pas dans un totalitarisme biomédical. Là. Disons qu'on est en démocratie véritable. Il y a un parti qui dit moi je veux mettre la hache dans ce système-là. C'est impossible, c'est totalement impossible. Jean-François Lisée a tenté de le faire cette semaine. Il dit, moi, non, là, si il ne parle pas de mettre la hache là-dedans. Je pense que même il veut renégocier l'entente. Sa fille étudie en médecine, je crois. Ouais. Et donc, il n'y a personne qui veut... Non, il dit renégocier les ententes, puis là, non, ce serait un psychodrame québécois. Là, mais Christian, pourquoi on a... C'est impossible, parce que nous, on croit là-dedans, on pense que le système est bon, on est convaincus qu'on a un très bon système, que c'est des gens qui nous veulent du bien. Ils nous veulent du bien, mais ils veulent aussi notre argent, de toute évidence. Oui, mais pourquoi on est arrivé dans ce genre de relation de soumission? Qu'est-ce qui s'est passé au fil des années? C'est l'idée de gratuité. À partir du moment où les usagers n'ont pas l'habitude de mettre leurs mains dans leur poche pour sortir de l'argent pour leur propre santé. Comme si, en fait, les deux grandes âmes de la Révolution tranquille, c'est le système d'éducation publique qui est censé faire des merveilles alors que on a un problème d'analphabétisme chez les professeurs. Et on a un système de santé qui, lui, est censé être le plus égalitaire qui soit, mais en fait... C'est bien mieux d'avoir un beau-frère médecin si tu veux passer avant tout le monde. C'est un système semi-soviétique. On est pris là-dedans. C'est ça notre affaire. On est pris dans un cercle là, qui est difficile à briser. Pour nous faire avaler la pilule ou la couleuvre ce matin, Christian, les médecins spécialistes ont dit, nous, là, on va laisser 105 millions de dollars par année de notre masse salariale, puis en retour... Bien, on va augmenter l'accès à l'imagerie par résonance magnétique, par exemple. Ben, la résonance magnétique va nous sauver. C'est ça qui est extraordinaire. Ouais. Écoutez, ils ont-ils remboursé les 400 millions de frais accessoires illégaux qu'ils ont prélevés au fil du temps? Ça, on n'en parle pas. Qu'arrive-t-il avec ces frais-là? Plus personne n'en parle. En fait, on nous explique même qu'ils réapparaissent, même si les médecins, leurs salaires sont augmentés, ils réapparaissent sous la forme des examens inutiles. C'est-à-dire, plutôt que de demander à une personne âgée un chèque de 500 $ avant de l'opérer pour les cataractes, on lui dit, comme on ne peut plus faire ça, on va passer deux, trois tests là, pour le glaucome, pour je ne sais pas trop, et de sorte qu'on va récupérer par la main gauche ce qu'on nous a forcé de lâcher de la main droite. En terminant, Christian, c'est une entente qui va passer à l'histoire, mais pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire, c'est une entente qui continue la dramaturgie québécoise autour de « c'est gratis, c'est accessible ». Aux États-Unis, on est entouré de gens qui laissent mourir les gens dans les rues, et donc on est autour de cette espèce de confiance religieuse dans nos élites médicales. Ce sont les gagnants à vie de l'Auto-Québec. C'est notre programme Apollo. On n'en sort pas. On s'excite dès qu'il y a 5 sous du litre qui augmente sur le prix de l'essence, mais on mobilisera jamais personne pour dire écoutez, 105 $ pour arriver à temps. On trouve pas ça beaucoup dans tous les secteurs du monde du travail. Merci, Christian Saint-Germain. Au plaisir. Bonne journée. Bye-bye.